من ذا الذي ما فاقت ومن له الحسنى فقد محمد الهادي الذي عليه جمهور الهبت محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياخذ بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياخذ بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياخذ بين الحجر الا وصلي وسلم على سيدنا محمد بحر انوارك ونبدي ثواب هذا النبي صلى الله عليه وسلم ان قدر 100 قد فكل صلاه والا 100 صلاه و100 في الليل وينوي به ما عليه بالتوفيق والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم التي يهدي ثوابها له صلى الله عليه وسلم ان ينقذه الله تعالى من جميع وحلته ويعجل خلاصه من قربته. السلام عليكم. وعليكم السلام. حسنا. الحمد لله. صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم. للمودي apprenez que tous les hommes ici-bas ne sont autres que les cibles ou les dards et les coups que de proches de temps. Que celui-ci entraîne de peu qui s'abat ou faveur qu'on perd, ou affliction due à la mort d'un proche, ou quelque autre perte provenant des calamités collectives ou particulières infinies. Quiconque donne pour être frappé par une épreuve, qu'il fasse preuve de patience, car seule la patience peut en accueillir la dignité, étant donné que c'est pour cela que les hommes sont établis sur terre. S'il n'a pas la force d'en supporter les contre-coups, d'emporter le fardeau, qu'il ne cesse de faire de ces deux choses, l'une ou les deux à la fois, pour que tout soit parfait, soit prié en évoquant Ya Latif mille fois après chaque prière canonique accomplie, soit, s'il le peut, mille fois le matin et le soir. L'épreuve serait conjurée. Pour réciter 100 fois la salat du Fadi, en bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui dessinant les faveurs. Dieu le tirera de toutes ses difficultés, apaisera ses afflictions, attirera son secours dans un délai court. De même, l'endetté insolvable pour celui qui possède une famille nombreuse et démunie, à qui demeure fermer les portes des moyens de gagner son pain quotidien, qu'il fasse une ou les deux prières que j'ai mentionnées, Allah le soulagera sur lui. Sous le couvert, mais en même temps, il donne aussi la solution. Et parce que pour ça, ça réconforte ici. Voilà un problème, et voilà la solution, et l'issue de sortie. Chaque partenaire, en cela, vous méditez bien depuis cette première lettre que j'avais envie, jusqu'à aujourd'hui. Il met dans ça en particulier, si vous pouvez, parce qu'en réalité, on venait dans le tirage. Le monde dans lequel nous sommes là est une vraie part. De manière apparente, de manière subtile, tu seras éprouvé. Et les épreuves les plus difficiles, c'est quand tu es éprouvé dans ta chair, ou quand tu es éprouvé dans la chair d'une personne que tu aimes. Nous avons la vie ainsi, j'entends dire, maintenant tu la fille pour les aimer, la part de la vie, la bête, la grâce à la vie, la vie, la souffle, la mort, aujourd'hui, la vie. Vous regardez celle-ci avec cet œil de grâce. Vous savez, le Tout-Puissant Allah a plusieurs types de regards. Il y a des gens qui regardent avec la manifestation de la colère. Et c'est la colère qui s'abat sur lui. Chaque arbre qui vient de rendre un ordre en haut, il prie à son ordre. Il regarde ses disciples avec la manifestation de sa grâce et de sa générosité. Ce qui transforme la calamité et fait d'elle une grâce. Alors, il dit au hasard, il y a un peu de fière et de l'éclairage à l'éclairage. Il faut sachez que tout être humain, et là il parle de tout le monde, de Dieu le prophète, jusqu'à l'homme. Le plus simple de l'existence. Nous tous, nous sommes des cibles aux flèches de l'épreuve. C'est-à-dire les flèches de l'épreuve là viennent et peuvent attaquer tout le monde.
le prophète qui l'a éprouvé, l'envoyé qui l'a éprouvé, le symptôme qui l'a éprouvé, le bon qui l'a éprouvé, le mauvais qui l'a éprouvé. Il n'y a pas qu'un seul être sur cette terre qui l'a éprouvé. Donc on ne peut pas sortir de l'éducation en retard. Alors, si cela est, comme il a dit, il dit, les épreuves, soit c'est une épreuve dans ta chair, mais aussi c'est peut-être une épreuve où Dieu arrache une grâce qu'il t'a donnée. Fais bien que tu ne te mets toujours à l'aise. Et puis tu peux, dans tout faire sinon, tu te trouves et que tu envoies tout le monde. C'est une grâce que Dieu t'a arrachée. Tu es une femme que tu aimes très bien. Et du coup, Dieu te l'arrache. C'est une grâce qui t'a retiré. Tu étais riche. Et maintenant, on te dit, voilà un ancien riche. Et ça arrive à tout le monde. Voilà un ancien président. Voilà un ancien ministre. Ça veut dire quoi? Que la grâce que Dieu t'avait octroyée là, Dieu l'a arrachée. Mais là, quand on parle des richesses, il ne s'agit pas ici là des richesses intrinsèques. Parce qu'on ne dira jamais que voilà un ancien wali. On dirait jamais que voilà un ancien alim. Ce sont des valeurs intrinsèques. Quand tu les as, c'est que Dieu te les confie jusqu'à au dernier souffle de ta vie. À condition que tu ne manques pas de respect et non de Dieu. Et là, c'est quand on fait à 100 coups, peut arriver. Tu as quelqu'un que tu as vu qui était sachant que tout le monde aimait. Même la boulaya, tout ça. Même la sainteté. Quand tu manques de respect à quelqu'un de plus grand que toi auprès de la Sœur Allah, Dieu peut te lâcher. Voilà pourquoi, depuis les années dernières, nous nous faisons le faire et dire pour Allah. Puisque la discipline est indispensable pour consolider les acquis. Moi, je connais un monsieur, c'est un hafiz du Coran. Il a prié pour nous dire le Coran. Mais il n'était pas respectueux vis-à-vis des hommes de Dieu. Et un jour, il y a un fou qui quittait dans un village, qui lui ne mange pas le Coran. Même sa lecture du Coran, elle n'est pas faite pour la meilleure profession. Mais pourtant, c'est mon ami de Dieu. Pourtant, c'est mon ami de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas la lecture qui est sur la langue que Dieu regarde, mais c'est surtout l'état du cœur de la lecture en procuré. Quelqu'un qui dit, comme si nous étions au monde, avec quelqu'un qui a proposé un conversation-là qui a pu impacter son cœur, il n'est pas le même que lui. Le compagnon du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam décédé, il n'y avait pas 20 personnes qui avaient posé le courant. Souvent, celui qui proposait Bakara et Ali Moussaï était posé pour un Ali. C'est là où le Fatah n'était pas parmi ceux qui avaient posé le courant. Il était plus comme ça qu'il n'avait pas posé le courant. Mais le peu qu'ils avaient proposé là, les a permis de cumuler en deux temps dans vos fonctions. Donc le plus important, ce n'est pas savoir lire tout le Coran, mais c'est de mettre en pratique le peu qu'on sait du Coran. Parce que le Coran, avant même que cela ne soit une lecture, c'est un message. Si on fait fi du contenu du message, on se contente seulement que le livre dit, comme le Coran qui a fait le Barda, tu vas porter de la barda, mais celui qui a mis ça en pratique, c'est l'ami des hommes. Alors donc, il est allé, il s'est monté du Dieu là. Et il est allé en train de prier. Quand il a dit Allah, Allah, il est venu la Fatiha, la Fatiha des soeurs. La Fatiha de la Fatiha. Il a tout fait, c'est le maroc de la Rébita la Mine. Et il a la Fatiha pour. Car pour Béke, Fatiha Béke, il a la Fatiha. C'est après qu'il a compris que l'homme qui s'est foutu de lui dans le quartier. Et il lui a dit, ta Fatiha et ton Coran, on a pris, on a donné ça au corps qui est dans votre monde. Et si tu veux que la Fatiha et ton Coran vienne, attrape le corps là, mange-le, et on va te retrouver tout ce que tu avais. Et ce n'est très possible. Il y a beaucoup de envie à arracher tout ce que Dieu t'a donné. Avec la permission de Dieu, bien entendu, c'est la moindre des choses. Il faut seulement être indiscipliné et un jour tu verras que c'est possible. À
Alors, soyons disciplinés, même d'arracher ton pouvoir, tu es un grand roi, d'arracher ton pouvoir pour que tu deviennes rien, c'est la bonne chose. Il nous suffira seulement de demander à Dieu, Dieu, c'est toi qui as donné la réalité, arrache ton arrêt. Et c'est ce que le prophète Moïse a fait par rapport à Pharaon. Dieu lui a arraché sa royauté, il est mort pour ta zone. Alors, faisons beaucoup attention, ne pensons pas que tout est un acquis. Tant que tu vis, tout peut arriver. Même si tu as pas de vie avec ça, il dit bon, on est là, c'est la parole de Dieu. Ou bien, c'est pas la parole d'un chef. Mais c'est la parole d'un chef, ça arrive. Et tout peut arriver, toutefois que tu es en vie. Faisons beaucoup attention, toutefois qu'il y a la vie, tout peut arriver. Aimer, et que Dieu t'arrache par la mort. Ça peut être une femme. Ça peut être un ami, ça peut être un enfant, ça peut être un papa, ça peut être un monde que tu aimes bien, en qui tu as passé tout le soir. L'oncle là qui travaille, qui est le directeur de tel, qui m'a promis que si je finis mes études, il m'a engagé pour travailler. Pendant que tu as fini tes études, maintenant tu as apporté ton premier en bonne loi, tu as pas qu'il est bon. Je vais désemparer. Tu penses qu'il y a beaucoup de solutions. Mais j'ai entendu dire qu'il y a la solution. Dieu est là. Même si nous meurt. Alors, ces types de coups-là, ce sont les coups juste de la vie. Mais qu'est-ce que notre peuple doit faire? On continue à ramener. Il doit subir ces coups-là. La personne qui nous souffle de sortir, c'est conserver la patience. Parce que la personne, c'est là que c'est comme une personne qui a eu de la vertue et ça ne pourrait pas. إنه لذلك نزل الحبار في هذه الدار. لذلك سيكون هذا الجزء في سبيل الله. هو من ومن جرى به منكم جولته عن تحمل فتنها ومقاومة ما يطرأ عليه من أعبائها فعليه بملازمة عهد الأمرين أو ما معه. Il ne s'est pas dit que c'est considéré comme un cheval qui a trébuché. Parce que la personne n'a pas pu supporter la dureté de cette épreuve-là. Alors, j'ai entendu le conseil de se cramponner à l'une de deux choses-là, une entre elles ou bien les deux à la fois. Quelles sont les deux choses-là? Il va le dire tout à l'heure. Et là encore, vous avez votre lien natif en alpha, en alpha, pour le soldatif, et le cadre, ou il a alpha, le soldat. وعرفا في المساء فإنه بذلك يسر خلاصه من مصيبته. Mais toutefois que tu es éprouvé et que tu as tout fait pour supporter le peu, tu as été incapable de le faire parce que les gens n'ont pas la même force spirituelle pour supporter le peu. Alors en ce moment-là, il te donne un conseil, c'est de te cramponner d'une chose parmi ces deux-là. Premièrement, il te demande de faire Yahati, 1000 fois après chaque prière. Ça, c'est la première chose. Aussi, il te demande si effectivement, voilà, tu fais ça. Si tu es incapable de le faire 1000 fois après chaque prière, alors fais 1000 fois le matin et 1000 fois le soir. والثاني نعمة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة لما أهدم إليه ويهدي ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم إن قدر بيعة المال فكل صلاة وإلا بيع صلاة وبيعة في الدين وينوي بها بما أعني باللطيف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يهدي ثوابها له صلى الله عليه وسلم أن ينقذه الله تعالى من جميع وحدته ويؤجل خلاصه من قربته. La deuxième des propositions qu'il te donne, c'est de tout faire pour faire la salat al-Fatih, 100 fois après chaque prière. Si tu es capable de le faire, tu le fais 100 le matin et 100 la nuit. Mais quand tu l'auras fait, tu le feras avec l'intention de l'offrir au prophète Mohammed en tant que hadia. Mais avec l'intention que Dieu puisse te soulager, te retirer de cette prière qui est si douloureuse que tu n'as pas à supporter. J'ai dit à la conclusion que chaque matin, il nous montre le problème, mais en même temps, il nous montre aussi la solution. Quelqu'un peut être
dans ces épreuves-là, mais il n'y a pas de solution et la personne pourrait aller rentrer dans tout ce que Dieu a interdit. Un être humain est un véritable conseiller. Quand il te dit, mon fils ne vole pas, mon fils ne le dit pas et il s'arrête à cela, il ne t'aura pas bien conseillé. Parce que lui, tu le retires de quelque chose, mais qu'est-ce que tu me proposes? Jacques Tiani, il te retire de tout ce que la conséquence des épreuves peut apporter une vie de ta vie. Il te donne la solution. D'abord, sois patient. Observe la patience. Et si tu es capable d'observer la patience, il te donne une autre solution. Faire le bâtir et faire cela de fatigue. Dans un autre dit Jacques Tiani, il dit qu'un temps viendra, on aura l'impression que tous les plans de Dieu là n'ont plus de sens. C'est comme si tu t'assois, tu fais yaka, tu vas buer. Tu t'assois, tu fais tout ce que tu veux et venir en bien possible. Tu as l'impression de ne plus rien voir. Il dit, sauf le lentille et la salade fatigue. Il dit, quel que soit le temps qui viendra, l'être humain, quand il fera le lentille et la salade fatigue, il verra le résultat tout de coup et de manière inévitable. Et en même temps, la pratique de ces bloc-là, c'est tellement facile. Il y a des écoles qu'on te demande de le faire, ça peut être un peu dur sur la main. Mais regardez le parti, il n'y a pas un seul signe qu'on peut faire avec facilité dans le latin. Le latin est un signe qui est très simple sur la main. Ce n'est pas pour moi que Dieu l'a travaillé, que Dieu l'a choisi pour tenir le doux, le subtil. Même sur la main, c'est doux. Et les chefs disent que celui qui a l'habitude de faire beaucoup de natif, la personne là, sa chute, Dieu va mettre la baraka, sa chute, et son as là. Et là, il faut qu'on voit le roi de l'intérité. Le roi de l'intérité, la baraka, la pierre, il va y élever sa loi, tout le bâti, il va y avoir le roi. Quand il y a la salade, il va dire, il y a Gérard, il y a Romania. C'est-à-dire, tout le bonheur est dedans. Et ça m'empêche de tout le malheur aussi. Celui qui fait passer le salat de fatigue, celui dans son esprit-là, dans le but que Dieu le délivre de toute difficulté, la notion sera délivrée. Dans la salat de fatigue, il y a l'ouverture. Dans la salat de fatigue, il y a l'élévation spirituelle. Dans la salat de fatigue, il y a la protection. Dans la salat de fatigue, il y a la loi. Quand les gens te voient automatiquement, ils t'aiment. Parce que les étincelles spirituelles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont en fou dans la salade fatigue. Celui qui pratique beaucoup la salade fatigue, cela a déjà mis en fait son cœur. Et tu t'as dit, les gens ont le plaisir d'être avec toi. C'est comme quand le prophète était vivant. Les gens autour de lui, quand ils sont avec nous, nous on a dit, ils sont dans une parfaite quiétude. Ils savent qu'avec lui là, il n'y a aucun danger qui va vous arriver. Et celui qui fait beaucoup de salade fatigue, partout où tu vas, tu apportes l'assurance. Les gens sont heureux d'être avec toi et les gens sont satisfaits de composer avec toi. J'entends donc ces deux écrits-là comme des solutions pour être délivrées contre toute forme de preuve qui pourrait nous arriver dans notre vie. En réalité, le principe de la galette antijamia ne doit pas pleurer. Parce que le problème qui le sert doit aussi connaître la solution. Un disciple de la galette chrétienne qui pleure, tu vas trouver que c'est un parjeu. Il se lève le matin, il fait rien. Regardez le latin mille fois, ça nous prend combien de temps? Moi, ça ne prend pas plus de 5 minutes. Et si celui qui a été ici, il se lève, il commence à prendre une minute. Le latin mille fois. Parce qu'il y a encore des gens qui font les 129. Le latif fois 129 qui fait un fois ils le font ça en moins de 30 minutes, 16 642. Et j'ai entendu le rapport à la dire que quand il y a une très grosse peur, quand quelqu'un est en prison, vous le priez Dieu qu'il sort de la prison. Quelqu'un a une grosse peur qu'il n'arrive pas à supporter, que s'il a le moyen de réunir les disciples, qu'il fasse pour lui. Les 16641 fois 7, ce qui fait combien? 116 487. Il dit, quand tu finis, fais le sacrifice d'un millier, tu donnes à Dieu. Personne ne l'a expérimenté sans qu'il ne soit délivré.
agbana tukun o tukun ele ka sɛbɛn ka balima dɔw fara ɲɔgɔn kan k'i jija a ka sara belebeleba sara hali ka jɔyɔrɔ ka sara ye balima dɔw ka sara sama o ka sara fɛ sara tɔrɔkoli ale yɛrɛ ni min dira a ma da fɛ a bɛ bolo san o kɔsɔn balima tɔw kuma dɔ la o b'a dɔn kosɛbɛ la n'i y'a fɔ min bɛ ka sara fɛ o ka sara ka belebeleba ɲɔgɔnna ye mɛ n'i ko duba cɛ fɛ ko n ka sara ye ɲɔgɔnna ye. Lorsqu'on a la stratégie de la main, on a un peu de Donc, mais moi seul, je voudrais vous appeler. Moi seul, je n'appelle pas quelqu'un qui soit trop technicien que moi. Mais il y a un bouquet, un ici, là, il y a un petit, il y a un commence le matin, à la salle de Paris. Je finis à la salle de Paris. Je suis là, je ne sors pas. Je ne suis pas pressé. J'ai préparé mes choses, je mange, ou bien madame elle a un peu bas, mais les deux, je mange un peu, je continue. Un peu souverain. Ko laka ko laka ko laka ta yi ka ta kalo ko ko ya je na fo ye aso ko ko di ya ko ko so de ko ta ko ta yi ko na ko ko ra ha be ya kalo ko ko ba ni ba ni e se mo ta je ko pa la bu je passe toute la nuit de veille ni so ba la tombe ni ko ala si ko ni ji ki ko ni ko de ko ko ni si ni ke kerma ni. J'ai acheté le hamac là, le premier bâton de l'homme, ni ce que le monde a inscrité, ni souvent maintenant, mais t'as pas fait la vie du soir, mais là, c'est pour lui. Mais mon reçu de télé, quand tu as la campagne, la lune est à Kobo, là, la lune est à Kobo. Moi, le coup de l'idée, on va aller dans le Kobo, à la lune est à Kobo. Moi, j'ai dit, la lune est à Kobo, ni un coup de l'idée, Jazara, un Jazara, un Kobo, ou des Kachakatina, un Kobo. Masalah kita mengerti, masalah lebih masalah bersungguh. Mereka mereka para yang ada di dulu selalu dengan alat kecil, para kaki macam ini. Ini kita akan di kita akan apa apa kita akan bersungguh. Kau soal proses di dulu, asyik asyik kita alat orang ini, alat orang bersungguh. Kau dulu di apa sih kan? Alam ada, alam bersungguh. Kau soal ni ada dia apa yang apa ini, dengan apa kamu pun tidak bisa berbeza. فإنه تصلح له الإغاثة في أسرع وقت. Alors le premier qui paraît est celui qui le fait, l'ouverture va s'empresser pour devenir de sa vie de manière très prompte, il doit être l'ouverture. عجز عن أعدائها أو كسر عياله واشتد فقره وانغلقت عليه أبواب أسباب المعاش فليفعل ما ذكرنا من عهد الأمرين أو من معه. Alors celui aussi qui est culpé de dette, du coup qu'un tien commun, il coupe avec lui à sa mère et tout est fermé, ni carta, parce que la vie, il connaît le cas à la vie de lui passant. Mais il y a un dati, il connaît le cas à la vie de lui passant. Awa ni y'a de la boubassa, à la nuit de mer, ni la hadam, ni y'a de chantempo. Après celui-là qui a beaucoup de dettes, qui est privé de dettes, lui aussi peut utiliser le bâti et la sélection comme ça sert. Deuxièmement, celui qui a une grande famille, qui n'a pas de moyens de souvenir ou de loin de sa famille, ses enfants sont là, ils n'ont pas de loin. Il n'a pas de moyens de s'inscrire. Ou bien, il ne peut pas payer la scolarité. Ou bien, la vie quotidienne, manger même le quotidien, là, encore qu'il est incapable de le faire correctement. À côté, il reste un moment là, le latif là, avec la salade du latif, qui s'est même pour Allah. Pour Allah, tu as bien un moyen de lui donner pour le faire. Et ça, on me dit, très souvent, les gens écoutent, mais ils ne pratiquent pas. Ce qu'ils veulent faire, c'est que ça peut devenir un jour, et des rois de l'humain. Comme c'est passé comme ça pour lui. Pourtant, il y a une guerre à la terre. Parce qu'il y a une guerre à la terre. On a la bâtiment. Même quand tu travailles,
même quand tu travailles, tu as un salaire, il dit qu'il y a un homme qui est là. Pourquoi ça va faire une réunion de chez nous en radio? Car il y a un homme qui a pas consommé, c'est la catégorie. Il va faire un homme qui est là, qui a travaillé. Il va comprendre qu'il y a un barque, mais il y a un barque qui est un temporaire pour la réunion. Donc, l'état de barque, on a fait la communauté de l'année. Celui qui fait cela, la personne qui aura l'ouverture de manière très populaire dans son mental. ومن كل حكم في الدنيا لازم ما ذكرنا من عهد العملين او الجماعه. وجميل توجور يمن توجور توجور اسبيكاسيون. اللي سيدي اوسي لا كي اي بور. جو بو ايمينانت كي غاتو بشمان. سواء الى بور لو كالكان كي غا لو بوزي دو تور. ان اكزيست. او بيان الى بور كو ان كريانسيي غا لاريتي غا لا par exemple, on t'a envoyé une convocation, alors peut-être c'est que tu l'as invité. Tu sais que si tu vas à la police là-bas, on va te garder. Tu vas penser à avoir peur. Tout cela peut arriver à une personne. Et si tout ceci t'arrive, tu as peur que ton créancier t'envoie en prison. Tu as peur que d'être injuste avec ton quartier, là où on a un bon lieu qui est plus fort que toi, dont tu n'as aucun moyen de te protéger contre lui. Que même dans tout vous néglige les droits de son frère.
il méprise les droits de son frère en refusant d'aider ce dernier quand il a besoin de son aide. Ou bien en refusant de protéger ce dernier quand il a besoin de sa protection. C'est son droit. Et quelle est la chose qui donne ce droit? La fraternité qui existe. Au point de cette fraternité, si ton frère a besoin de toi, aide-le. الدنيا بدين وهو بإله والله في الأرض العظيم ما كان العبد في الأرض الأخير إذا كل personne qui a l'habitude de négliger les droits de son frère va finir la personne va commencer à négliger le droit existant de lui à son regard et cela c'est une grosse perdition c'est une déchéance de sa propre personne والله في الأرض العظيم ما كان العبد في الأرض الأخير Peut-être même que ça va que tu es au cœur de toi pour te soutenir. Cela peut être une maladie, mais lorsque toi-même, tu seras en train d'aider et soutenir tes frères. Dans son nom, au nom de Babou, Isara al-Tum Adan Khan, Hakkan Bukhari Fouhawakum, Al-Hamad Mabazin al-Bukhari Fouhawakum, Al-Tum Hidouhu, Al-Tum Hidouhu, Al-Tum Hidouhu, الشرك في عرمتي اخفى من تبيب الدم على الصفا وعقب ذلك ان تحب على باطل او تبغض على حق او تبغض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو في هذا السياسه تزعم بالقران في كل كونتسيون يدير غادو فوكور غادو فوكور بفين سيجيرور كلا سيجيرور لا اني ام دوفرير parce que ce dernier a transgressé une loi d'Allah. Souvent nous sommes là, on voit un bandit qui a fait une grosse escroquerie. Et nous sommes ébruits. Mais il est fort. Regarde, il a barbaré le gars. Il a pu prendre 100 millions. Tu vois, tout le monde est là, tout le monde veut être comme lui. J'aimerais dire, mais regarde. Parce que ce qu'il a fait, là, Dieu n'aime pas. Et toi, tu l'aimes parce qu'il a transgressé une loi d'Allah. Ça c'est un. Il dit, gardez-vous aussi de détester un frère parce que celui-là a obéi à une loi dans son ordre. Tu vas voir quelqu'un qui a dit la vérité. La vérité est reconnue dans son ordre. Mais comme toi ça n'arrange pas, à cause de ça tu l'as détesté. Il dit, garde-toi de faire ces choses-là. Quand tu feras ces choses-là, sache que tu es éloigné dans son ordre. Et il dit, il y a cette forme d'association qui est très subtile. Donc le professeur Zahavim, il a dit que l'association dans ma communauté est tellement subtile qu'elle passerait inaperçue comme les traces de, comment ça s'appelle, d'une fourmi sur une montagne. Voilà celui qui est puissant dans la nuit noire. Quand une fourmi qui même dans le jour passe ne laisse pas les traces, à plus forte raison, si c'est dans la nuit encore, sur une pierre très très lisse, on va dire qu'elle n'a pas de traces, mais pourtant elle a une trace qui est laisse. Et ils sont comme ça que l'être humain devient politiste, l'être humain devient associationniste, sans qu'il s'en rende compte. Parce que seulement l'homme-là a fait ce que Dieu aime et tu l'as détesté pour cela. Ou bien celui d'autre-là a fait ce que Dieu déteste et tu l'as aidé pour cela. En d'autres termes, tu es en train de combattre Dieu sans t'en rendre compte. Et tu deviens un boucher, mais chez ta chavide. Que Dieu nous envoie. On passe à la place où nous allons partir. Je vous remercie de l'organisation de la séance. Je vous remercie de l'organisation de la séance.